pour cette 15e édition de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, 24 moucheurs d'une dizaine de nations différentes ont pris le départ de cette course. L'équipe de Maurienne TV a retrouvé les différents attelages lors de l'épreuve 7A au départ de Lanslebourg en Haute-Maurienne vanoise. Une étape très importante que nous présente Daniel Gaïdinoff, le speaker de l'événement. Alors tout d'abord, nous avons deux catégories essentielles de mushers sur le départ de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Nous avons les Limited, ceux qui ont rejoint la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc avec un pool de 8 chiens. Et puis nous avons les Open, ceux qui ont rejoint la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc avec un pool de 12 chiens. Tous prendront le départ dans quelques instants ici, à Val Cenis Lanslebourg, effectivement pour une 7e étape en deux parties. Une partie qui sera interrompue au sommet du col du Mont Cenis, en bivouac, où là ils seront en autonomie totale, avant de reprendre le départ demain pour aller jusqu'à Bonneval et revenir jusque Lanslevillard en fin d'après-midi. Avant de prendre le départ, les mushers sont rassemblés dans un espace au calme, où les chiens peuvent reprendre des forces avant la prochaine étape. Des moments de complicité et de repos indispensables pour reprendre des forces. Durant la préparation, les mushers peuvent compter sur le soutien de leurs handleurs, ces coéquipiers indispensables qui les aident et les soutiennent au quotidien. Alors, ce qu'on a fait ici, on a eu, donc ce matin, ils ont eu un repas vers 7h30 ce matin. On refait en fait, on leur a redonné un repas quand on est arrivé ici vers midi. Et là ici, donc 2 heures avant la course, on réhydrate uniquement les chiens. On ne leur donne pas vraiment, on leur donne un petit peu de viande au niveau de la soupe, mais c'est pas un repas comme on leur donne habituellement. Et donc quand ils reviendront course, là tout sera prêt pour leur donner un repas nouveau complet, quoi. Des handleurs qui ont bien souvent une double casquette et qui nous expliquent la particularité de certains chiens. Je suis ici en tant qu'ostéopathe canin aussi pour pouvoir m'occuper des chiens. Et donc on a en fait une équipe ici de 14 chiens et sur les 14 chiens on a 2 chiens qui sont accompagnants parce qu'ils sont plus âgés donc eux ne courent pas mais viennent nous accompagner pendant la course. Quelques mètres plus loin on retrouve Rémi Coste, double champion de la Grande Odyssée, qui est pour l'instant le leader de la course. Pour lui, l'épreuve qui suit, en 2 manches avec un bivouac le soir, est une étape primordiale. Bah, pour l'instant ça se passe plutôt bien, le niveau des concurrents est vraiment très relevé cette année. Il y a vraiment une grosse bataille entre les premiers équipages. On attend le bivouac avec impatience, hein, ça va être une étape très très importante en vue du classement général. Oui bien sûr, hein, les chiens vont dormir avec moi dans la tente pour être le plus au chaud possible, au plus au calme possible. Et puis on va essayer qu'ils se reposent le plus possible en vue de repartir en pleine forme le lendemain. Pour l'instant, leader de la course, Rémi Coste est dangereusement suivi par l'Espagnol Iker Oscodi, qui la veille remportait l'étape numéro 6. C'est ma première fois à la Grande Odyssée et jusqu'à maintenant, tout va bien. Nous avons commencé en retenant les chiens pour pas qu'ils se blessent. Nous avons fait déjà la moitié de la course. Je pense que les étapes d'aujourd'hui et demain vont être décisives pour voir qui va gagner la Grande Odyssée. Quelques mètres plus loin, c'est l'effervescence au premier étage de l'auditorium Laurent Gérard. L'équipe du PC Course est en plein travail pour préparer l'étape du jour, avant le coup d'envoi. Nous sommes ici au sein du PC Course, qu'on appelle le PC Course. Le rôle du PC Course, globalement, c'est d'assurer sécurité, suivi de l'ensemble du personnel de la Grande Odyssée et des mushers. Alors le suivi des différentes personnes, c'est tous les moyens de communication dont on dispose. C'est la radio, tout un certain nombre de canaux radio qui nous sont dédiés. Nous avons des téléphones, avec un téléphone rouge accessible 24 h/24. Et puis, pendant les courses, nous avons un rôle primordial de suivi des mushers et des intervenants sur la piste, des motopistes. Alors on les suit en direct sur une carte que nous préparons évidemment avant chaque course. Chaque musher et chaque moto est équipé d'une balise GPS et nous pouvons voir chaque balise GPS sur la carte. Un événement grandiose qui a besoin comme chaque année de partenaires. Alors effectivement, EDF est sponsor depuis un certain temps de la Grande Odyssée. D'une part parce qu'on va être un partenaire de long terme pour le territoire et puis aussi parce que la Grande Odyssée correspond bien aux valeurs qu'on défend dans le groupe EDF, c'est-à-dire l'esprit d'équipe, la recherche de performance et puis le respect de l'environnement. Après le traditionnel briefing, tous les participants sont prêts à prendre le départ. C'est parti pour plus de 2 heures de course à travers les sentiers et les pistes de ski de la haute Maurienne vannoise. Après 2 heures et 9 minutes de course, c'est Rémi Coste qui arrive en premier à la base polaire, située au col du Mont Cenis. Dans un décor digne des plus belles scènes de cinéma, les attelages arrivent un par un dans un froid et un brouillard glacial. Mais ce n'est pas fini pour les mocheurs qui doivent à présent prendre soin de leurs chiens, les nourrir et leur préparer un coin chaud pour dormir. Certaines races de chiens peuvent, grâce à leurs poils, dormir dehors dans la paille. D'autres moucheurs, comme Rémi Coste ou l'espagnol Iker Oscodi, préfèrent dormir avec leurs chiens dans leur tente. Une 15e édition qui se déroule pour l'instant parfaitement et qui s'achèvera mercredi 23 janvier avec une arrivée à Bonneval-sur-Arc. Ça se passe merveilleusement bien parce que nous avons des étapes qui sont plus courtes qu'à l'habitude, parce que la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc s'adapte bien entendu aux demandes et aux nouvelles demandes des mocheurs. Ce qui fait que cette année, sur cette 15e édition, on a le plaisir de recevoir des mocheurs extraordinaires avec, depuis une semaine que s'est élancée la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, un top 5 qui ne cesse de se battre, parfois à quelques secondes.